Chers amis, c'est toujours avec la joie dans le cœur que je vous accueille à ce moment de réflexion. Et le Seigneur et moi-même, nous sommes très heureux de vous recevoir. Et je demande à ce que sa paix repose sur chacun d'entre vous. Bienvenue à vous et soyez bénis. Nous prions. Notre Père, notre Dieu, merci. Dans ta paix, dans ta grâce, tu es avec nous. Tu as toujours été là. Et chaque fois qu'il est question d'ouvrir ta parole afin de l'étudier, tu es très heureux. Car tu veux te révéler à nous à travers l'étude de ta parole. Merci d'être présent et merci pour l'action de ton Esprit Saint qui nous éclaire, qui nous donne la sagesse, l'intelligence afin de bien comprendre tes révélations. Sois béni, Père éternel, au nom de Jésus. Amen. Chers amis, nous arrivons à la fin de notre semaine de réflexion et je vais vous inviter à lire chez vous le livre Patriarches et prophètes d'Ellen G. White, chapitre La lutte nocturne, pages 164 à 170. Ensuite, vous allez répondre à la question suivante. Que pouvez-vous apprendre de l'expérience de Jacob sur la puissance de la prière et de la confiance sans réserve en Dieu? Chers amis, les psaumes renforcent notre foi en Dieu, qui est le refuge infaillible de ceux qui confient leur vie entre ses mains puissantes. Alléluia. Dans Patriarches et Prophètes, page 451, nous lisons. Dieu est prêt à faire de grandes choses pour ses enfants. Il viendra infailliblement au secours de ceux qui s'abandonnent entièrement à lui et lui obéissent. La raison pour laquelle son peuple est si faible, c'est qu'il se confie trop en lui-même et ne donne pas au Seigneur l'occasion de manifester sa toute-puissance. Alléluia. Fin de citation. Cependant, chers amis, certains psaumes peuvent poser un sérieux défi lorsque notre situation actuelle ne correspond pas à ce qu'ils promettent. Dans ces moments, nous devons apprendre à faire confiance à la bonté de Dieu, révélée de la manière la plus puissante à la croix. De plus, certains psaumes peuvent parfois être utilisés pour nourrir de faux espoirs. La réponse de Jésus à l'utilisation malicieuse, par exemple du psaume 91, 11 et 12, par Satan, montre que la confiance en Dieu ne doit pas être confondue avec la tentation de Dieu, Matthieu 4, 5 à 7, ou la demande présomptueuse à Dieu de faire une chose contraire à sa volonté. Je vous invite à lire cette tentation de Jésus de Matthieu 4, 5 à 7 avec le psaume 91, 11 et 12, et que l'Esprit du Seigneur vous accompagne dans votre lecture. Dans le livre Patriarches et Prophètes, page 170, nous lisons également. Les plus grandes victoires remportées par l'Église de Jésus-Christ ou individuellement par le chrétien ne sont pas dues au talent, à l'éducation, à la richesse ou à la faveur des hommes. Ce sont celles que l'on obtient dans la prière solitaire, face à face avec Dieu, par une foi fervente et inflexible qui se cramponne éperdue à la puissance du Très-Haut. Alléluia. Fin de citation. Donc, chers amis, nous passons à notre moment de questions du vendredi. Alors, en classe ou en famille, en groupe, je vous invite à discuter sur la réponse à la dernière question de l'étude de mardi, sur la confiance en Dieu dans l'adversité et lorsque les choses vont terriblement mal. Ensuite, comment peut-on comprendre ces choses et comment peuvent-elles nous arriver, malgré toutes les merveilleuses promesses des psaumes concernant la protection de Dieu? Pensez aussi à ceci. Le psalmiste qui a écrit sur ces merveilleuses promesses n'a-t-il pas souffert l'adversité ou n'a-t-il pas connu des personnes fidèles qui en ont souffert? Comment pouvons-nous développer une confiance sans réserve en Dieu en toutes circonstances? Prenons quelques textes comme exemple. Le psaume 91, verset 14. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai, je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom. Le psaume 143, 8 à 10. Fais-moi dès le matin entendre ta bonté, car je me confie en toi. Fais-moi connaître le chemin où je dois marcher, car j'élève à toi mon âme. Enseigne-moi à faire ta volonté, car tu es mon Dieu. Que ton bon esprit me conduise sur la voie droite. Lisons le psaume 145, 18 à 20. L'Éternel est près de tous ceux qui l'invoquent, de tous ceux qui l'invoquent avec sincérité. Il accomplit les désirs de ceux qui le craignent.
Il entend leurs cris et il les sauve. Maintenant, pensez aussi à ceci. Verset 20, l'Éternel garde tous ceux qui l'aiment et il détruit tous les méchants. Qu'est-ce qui peut nous faire perdre cette confiance en Dieu? Pourquoi la confiance en Dieu dans les bons moments est-elle essentielle pour apprendre à lui faire confiance également en temps difficile? Chers amis, à cette série de questions qui nous est posée, je demande au Seigneur de vous accompagner dans votre réflexion. En résumé, chers amis, le psalmiste supplie constamment l'Éternel de l'entendre. Plusieurs psaumes commencent par un appel à Dieu pour qu'il écoute. Le psaume 4, verset 1, psaume 13, verset 3, le psaume 17, verset 1er, le psaume 27, verset 1er, le psaume 28, verset 2, le psaume 54, verset 2, le psaume 55, verset 2, le psaume 60, verset 5, le psaume 61, verset 1, le psaume 64, verset 1, le psaume 86, verset 1, etc. Dans ces cantiques, le psalmiste crie à Dieu, le cœur rempli de chagrin. Éternel Dieu des armées, écoute ma prière. Prête l'oreille, Dieu de Jacob. Dans leur prière, les psalmistes insistent pour être entendus. Ils crient avec l'assurance que l'Éternel entend et il les délivre de toute leur détresse. Parfois, les auteurs de psaumes affirment que Dieu a entendu leurs plaintes et leurs besoins. C'est Dieu que j'appelle et je crie. C'est Dieu que j'appelle, il m'écoute. Psaume 77, verset 1. Le fait de se souvenir des réponses de Dieu à la prière dans le passé renforce les psalmistes dans l'assurance qu'il les répondra maintenant et dans le futur. Pleinement confiant dans une réponse divine, les psalmistes affirment à plusieurs reprises que l'Éternel répondra à leurs prières. Le psaume 4, verset 1, le psaume 6, 8 et 9, le psaume 10, verset 7, le psaume 17, verset 6, le psaume 65, verset 2. Il nous assure que Dieu est disponible pour entendre nos prières, matin, midi et soir. Alléluia. Entendre, écoute, le mot hébreu c'est le mot shamash. Et ce mot signifie plus que percevoir la voix ou écouter un son. Dans le contexte de l'Éternel en tant qu'auditeur, le verbe entendre ou écouter signifie aussi agir. C'est-à-dire que nous pouvons avoir confiance que Dieu agira pour son peuple en réponse à ses prières. Lorsqu'Israël avait été réduit en esclavage en Égypte, l'Éternel entendit, Exode 2, 24, et les délivra. Le livre de Psaumes est une invitation à avoir ce même niveau de confiance en Dieu. Alléluia. En conclusion, les psaumes forment un livre d'émotions fortes qui vont de l'extatique à l'élégiaque et du complexe au simple. Mais il forme aussi un livre de concepts théologiques profonds. Les vérités bibliques étudiées cette semaine, riches en images et en métaphores, contiennent de merveilleuses promesses que nous pouvons revendiquer dans nos combats quotidiens. Alléluia. Lorsque nous lisons les images et les figures des psaumes, nous devons prendre le temps de les méditer en utilisant notre imagination pour mieux comprendre les vérités encapsulées dans ces images profondes. L'objectif de cette semaine a été de comprendre que le Seigneur des cieux est notre défenseur et notre libérateur. Il entend nos prières et nos requêtes. Il prend soin de nous. L'Éternel regarde du haut des cieux. Il voit tous les fils de l'homme. Psaume 33, verset 13. Avec un cœur compatissant et tendre, l'Éternel nous sonde, nous et nos familles. Du haut du sanctuaire céleste, il juge nos œuvres avec un amour et une justice infinie. Alléluia. Nous prions. Notre Père, notre Dieu, merci, merci pour cette semaine d'études. Merci d'avoir été présent chaque jour avec nous, à travers ta parole que nous avons étudiée, mais surtout ton esprit qui nous a assistés pour ouvrir notre intelligence, nous donner de la sagesse, pour comprendre tes révélations. Tu as eu un message pour chaque personne individuellement cette semaine. Et nous croyons que chacun individuellement, nous avons reçu ce message spécial que tu avais pour nous. Nous croyons aussi que nous avons évolué, nous avons grandi quant à ta connaissance, ton amour, ta grandeur, ta toute puissance. Notre foi a jailli, a grandi, et que nous sommes différents de ce que nous étions hier.
Père éternel, continue s'il te plaît l'œuvre que tu as commencée dans notre cœur. Continue à nous aider à te faire confiance dans nos épreuves, dans nos difficultés. Lorsque nous croyons que tu es absent, tu es bien présent. Et c'est parce que tu es présent que nous sommes en vie et que nous remportons la victoire. Donne-nous de nous appuyer sur toi en tant que le Dieu de victoire et que nous puissions avancer en dépit de tout, en gardant les yeux sur toi. Merci de nous bénir tous ceux qui ont participé à cette leçon cette semaine. Que tu puisses les bénir. Bénis leur famille, ceux qui passent par des moments difficiles et qui ne voient pas le bout du tunnel. Que tu les aides. Reste avec eux. Insiste auprès d'eux de l'amour que tu as pour eux et délivre le Père éternel. Je te remercie, je te bénis et qu'au nom de Jésus, toute gloire, honneur et louange te soient accordés au siècle des siècles. Amen. Amen.